Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce samedi 27 juin 2020, 14h15, heure du Québec, avec un monde complètement différent. Hein? C'est comme si on se réveillait d'un long et profond coma, et qu'on arrive dans un monde totalement différent. 2020, une année comme jamais on aurait pu l'imaginer, qui nous a amené toutes sortes d'événements, dont la fameuse pandémie, dont on n'est pas vraiment encore sorti, hein? Les chiffres parlent par eux-mêmes. Le monde est en confinement, en post-confinement. C'est des situations post-apocalyptiques et apocalyptiques qu'on vit, vraiment étranges, entre la science-fiction, la fiction. Tu te promènes et tu vois ce monde complètement changé, nos habitudes complètement changées. Hein? On est dans une autre dimension, presque. Et ça, c'est avec un virus. Ce qu'un virus peut avoir fait, engendrer comme transformation, comme dommage, peut-être irréparable face à l'économie, de quartier, l'économie des commerces de maman et de papa, familiaux, le chômage, tu le veuilles ou non, même si tu penses que la pandémie, c'est une histoire exagérée, si tu regardes les conséquences de tout ce qui a été mis en place comme mesure depuis l'apparition de ce virus, c'est loin d'être de la fiction. Tout le monde va être touché, puis de plus en plus, l'inflation va grimper probablement, en plus, s'additionner à la misère économique du chômage galopant. Hein? Le coût de la vie va, comme disent les Anglais, skyrocketer, va se propulser. L'impression de l'argent par les banques centrales à coût de trilliards et de trilliards a déjà commencé à montrer ses signes d'inflation. Partout en Europe, aux États-Unis, dans le monde, on peut déjà constater une augmentation du coût de l'alimentation d'à peu près 25%, sans compter qu'il y a beaucoup de secteurs qui ont été affectés par un manque de main-d'œuvre. La chaîne de productivité et d'alimentation et d'approvisionnement a été affectée énormément. Et ces coûts-là vont s'en faire ressentir aussi dans un avenir assez proche. On est vraiment dans une... Et ça, c'est pour un virus. Donc, imaginez, quand on vous dit en plus que l'humanité est menacée. L'humanité est menacée. Là, on a des vies qui ont été menacées par un virus, mais quand on vous dit que l'humanité est menacée par le réchauffement climatique, par notre industrialisation, notre mode de vie, quand la majorité des organismes mondiaux, des politiciens, des élus vous disent, on a, et l'ONU en tête, on a 8 ans pour réagir avant qu'on nous annonce la fin du monde. Hein? Faut pas l'oublier, ça. Et ça, c'est pas disparu. Il y a eu une pause là-dedans avec l'élection de Donald Trump qui, lui, a sorti les États-Unis de tous les accords de Paris, de toutes les tendances vers un essai de repositionnement de nos sources d'énergie. Mais quand on entend tous les politiciens, et en Europe, on peut même dire ceux de droite, nous dire que l'humanité est menacée. L'humanité est menacée. On est sorti du contexte d'un virus qui ne menace pas une humanité, qui menace une certaine partie de la population. Un problème majeur qui s'annonce. Quand on a réussi à vous convaincre ou à convaincre tout le monde, puis avec raison qu'il fallait qu'on applique une distanciation sociale, qu'on mette des consignes pour protéger les plus âgés, les plus faibles, mais qu'on est allé même plus loin et qu'on a décidé de mettre un arrêt total à 80% de l'économie. On a gardé les épiceries, certains commerces jugés essentiels
On a continué à vendre de la drogue et de l'alcool, naturellement, ça c'est essentiel, hein, pour regarder les gens dans l'insignifiance et l'ignorance. Imagine quand on dit depuis des années que l'humanité fait face à la plus grande crise de son histoire, une crise existentielle, et qu'on a 8 ans, on nous disait il y a deux ans à peine, on a 8 ans de la part de l'ONU pour agir, on a 8 ans pour agir face à une menace contre l'humanité. Et ça, c'est un consensus, autant des Russes de Vladimir Poutine, autant des conservateurs de Boris, j'allais dire Boris Eltsine, mais parce qu'il me fait rappeler un peu Boris Eltsine, Boris Johnson, on parle naturellement de tous les autres pays européens qui sont complètement convaincus de ça, mais même les clans conservateurs, même les clans conservateurs en Europe, et même chez les républicains, on fait exception à Donald Trump, sont pas mal vendus à l'idée qu'on a une menace existentielle. Le gouvernement britannique de Theresa May, à l'époque, il n'y a pas 2 ans, à peine, avait déclaré une urgence nationale et mondiale face au climat. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'était le premier gouvernement conservateur de droite, je vous rappellerai, à procéder à un tel décret. Il nous reste juste pas beaucoup de temps. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va être comme réaction, ou est-ce que ce qu'on vient de vivre, c'est le début de ça, de cette action qu'on veut prendre contre notre mode de vie, dans le fond, contre notre économie, qui, nous dit-on, est à la source du réchauffement climatique, des changements climatiques, et qui menace l'humanité, Vraiment, vraiment, une grande réflexion, hein, s'impose. Et sur ce qui s'en vient, ceux qui pensent que tout va revenir à la normale, puis que ça va être business as usual, je ne sais pas dans quel univers vous vivez. Parce qu'il y a toujours la menace existentielle qui est là, elle n'est pas disparue. C'est juste que là, on nous a distrait un peu avec cette pandémie incroyablement dévastatrice, qui n'était pas prévue probablement, mais qu'on a pris au vol pour toutes sortes de raisons, pour l'agenda, pour... Déjà, le système financier bancaire était en grande difficulté depuis septembre, donc on en a profité pour imprimer des trilliards de dollars au niveau de la Banque fédérale des États-Unis, mais des autres banques fédérales aussi européennes et de d'autres pays. Cet argent-là, il n'est pas allé dans vos poches, il n'est pas allé dans mes poches, il est allé dans les poches, toujours les mêmes. Les banques, les fonds d'investissement, puis tout ce groupe de personnages-là. Donc, on a pris au vol un événement qui n'était pas prévu, mais qui a fait l'affaire de tout le monde, au niveau de l'élite. Et on en a profité pour donner un premier coup à cette économie qu'on blâme pour les grands maux qui nous affligent. N'est-ce pas? L'économie ne reviendra plus jamais la même. Au niveau aérien, hein, on voulait éliminer dans les plans de nos amis plutôt progressistes, hein, de la gauche, si on va un petit côté plus extrémiste, par exemple l'aile démocrate aux États-Unis, propulsée par Alejandra Ocasio-Cortez, une jeune très intelligente, très charismatique du Congrès américain qui a été élue aux élections de mi-mandat et qui a embrassé le fameux Green New Deal dans lequel on veut abolir tous les modes de transport actuels. Je peux te dire une chose, c'est déjà un bon début avec la pandémie, avec le confinement à la maison, avec les restrictions, avec le lockdown. Tu as juste à regarder les compagnies aériennes, ça ne vole plus beaucoup dans le ciel. Je ne sais pas quand est-ce que ça va recommencer à voler, puis toutes les entreprises maintenant sont au bord de la faillite et demandent toutes des plans de rachat, de sauvetage, hein, des bail-out. Parce que dans le fond, j'aime mieux l'expression anglaise bail-out, qui a vraiment un sens
vraiment, vraiment significatif et qui illustre vraiment la situation, plutôt que plan de sauvetage en français. On a toujours, dans la langue de Molière, on a toujours une façon de minimiser tout quand ça fait dans ta affaire, tu sais. Mais en anglais, bailout, ça veut dire qu'on vient acheter, on vient t'acheter, on vient acheter tes dettes, on vient te sauver les foufounes. Alors qu'en français, c'est comme on a un plan de sauvetage, mais on vient pas te dire qu'on vient acheter les dettes de ces entreprises qui étaient mal gérées déjà depuis longtemps, de toute façon, puis qui auraient dû tomber depuis longtemps, puis qu'on a gardé artificiellement en vie. On aurait dû les laisser tomber, puis ces emplois-là n'auraient jamais été perdus, c'est juste que quelqu'un d'autre, plus compétent, serait venu ramasser. Les dettes seraient disparues, puis tu aurais eu une entreprise qui part sur des bases nouvelles avec des bons administrateurs, des bonnes administratrices, puis les emplois auraient été sauvés parce que tu as besoin de ces gens-là pour faire voler, par exemple, une entreprise mal gérée, comme, par exemple, Airbus ou, aux États-Unis, Boeing, qui a déjà été une compagnie exemplaire, mais qui a pris un autre virage depuis une vingtaine d'années avec des administrateurs vraiment incompétents qui ont privilégié, plutôt que de privilégier l'ingénierie, le secteur de l'ingénierie pour développer leur appareil, ont décidé de privilégier les secteurs d'investissement. On a engagé des investisseurs, puis on a congédié les ingénieurs. Ça a donné ce que ça a donné avec le Boeing Max, qui est le résultat de tout ça. D'avoir négligé la recherche, l'ingénierie, au profit des placements puis des investissements pour faire de l'argent rapidement, pour donner l'impression qu'on était rentable. Donc, on est face à ça. Donc, imagine déjà aussi, regarde l'industrie de la croisière, l'industrie de l'automobile qui va être en crise. Je ne sais pas comment ils vont se remettre de cette crise-là due au confinement. Donc, le projet du Green New Deal, on peut dire qu'il est déjà commencé, dans le fond. On a saisi la crise au vol, puis les gens ne voient pas ça. Pourquoi les gens ne voient pas ça? Parce que les gens sont distraits, puis on les distrait toujours. Puis on aime ça les distraire. Puis quand je vois les commentaires de mes abonnés, je vois qu'ils sont vraiment distraits. Par la nouvelle du jour. Par les nouvelles du jour. Ils embarquent là-dedans, eux autres. Le monde embarque là-dedans. On ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. Puis c'est ça le but des réseaux de nouvelles en continu. Puis des chaînes alternatives qui, elles, non plus ne voient absolument rien parce qu'elles sont omnibulées par leur nombril puis par leur conspiration. Puis elle ne voit rien de ce qui se passe non plus. Donc, on est dans une distraction totale. Et pendant que cette distraction-là se passe devant nos yeux, tout le reste passe inaperçu. Et touché par personne, abordé par personne. Mais moi, je te le dis, ça a été attrapé au vol. Puis c'était une pandémie qui est vraiment bien réelle. C'est juste qu'elle n'était pas planifiée. C'est arrivé à brûle pour point pour eux autres. Comme un cheveu sur la soupe, ils se sont dit, on saisit ça, puis on y va. Ça va être le début du sauvetage de l'humanité, parce qu'ils vous ont dit, on a 6, 7, 8 ans, c'est une crise existentielle. C'est vraiment une crise existentielle. L'humanité est menacée. La vie, totalement. Toute la vie sur Terre est menacée par les réchauffements climatiques. Donc, si vous pensez que pendant des années, ils vous ont répété ça, et répété ça à tous les hauts niveaux, là, pas des clowns, pas du monde de bas niveau, tous les plus hauts scientifiques, les plus hauts gradés, les plus hauts fonctionnaires, les plus hauts politiciens vous ont répété, puis les médias les plus puissants, puis les acteurs, puis les artistes les plus influents vous ont chanté cette chanson-là, depuis des années, pensez-vous qu'ils ont tout oublié ça, puis que c'est une histoire du passé, puis que c'était tout du vent? Donc, ce que vous avez, puis ce qu'on vit en ce moment, puis ce qu'on a vécu, puis ce qu'on a commencé à vivre avec, le confinement dû à cette pandémie qui n'était pas rien, on s'est dit, on en profite, on met ça tout de suite en action, ils vont comprendre avec la peur d'être malade et de mourir que c'est pour leur bien qu'on fait ça, puis avec raison. On a vu que les pays où on a vraiment agi rapidement, les cas ont été vraiment minimaux.
Hein? On n'a presque pas eu de décès, alors que les pays plus négligents que des politiciens vraiment irresponsables comme Donald Trump, là, ils sont encore le 27 juin en pleine crise de pandémie. Alors que le président continue à nier ça, puis il appelle ça toute une histoire artificielle. C'est une histoire artificielle. Le Brésil, même genre de comportement d'un président complètement irresponsable. Les Brésiliens sont aux prises avec une... ils sont même pas rendus au pic encore, ils sont dans un... C'est incroyable ce qui se passe. Donc, pendant qu'on... Tout le monde est distrait. Je regarde les commentaires, je lis les commentaires, puis les gens sont dans une distraction incroyable. Puis ils se laissent toujours embarquer puis tomber dans le piège de la distraction. Moi, c'est pour ça que je m'en étais pas trop occupé de cette question-là, parce que je voulais comprendre ce qui se passe, puis j'ai compris maintenant ce qui se passe. On a oublié ça parce qu'on est distrait. Qu'il y avait une crise qu'on nous annonçait, puis qu'on nous annonçait depuis des années. Êtes-vous prêts? C'est juste le début. Yo!